Vous savez tout dans le nom de Jésus, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous tous nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Laissons répéter cette prière. Nous disons Seigneur Jésus, mon commande, mon pensée, mon équerre, mon attitude, mon âme, mon imagination, mon conscience. Allez, un peu plus fort, mon homme intérieur, vint captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Mon refuse, l'amour prématuré. Mon refuse, cancer, tumeur, diabète, Covid. Mon refuse, cauchemar, accident, opération, manquement, dans le nom de Jésus. Mon refuse, la rébellion, dans le nom de Jésus. Mon déclaré, Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Mon confessé, moi un multimillionnaire qui est généreux et moi pour gagner 1 million d'âmes pour Jésus-Christ. Allez, mettre la main côté de Dieu là. Dis Seigneur, donne-moi les yeux pour trouver clair toute la prière, toute manigance, toute sorcellerie pour bousmoliser toute fausse la prière qui met ban voile dans mon lisier, mon commande tout tomber dans le nom de Jésus. Tout voile tomber depuis dans mon lisier. Mon lisier pour trouver, mon oreille pour tendre, mon la main pour donner, pour faire du bien, mon la bouche pour causer, mon les cœurs pour comprendre, mon les pieds pour faire du bien. Amen. Bien fort l'église, qui la Bible de Genèse 42, 28, mon argent pour retourne dans mon poche. Qui la Bible de Genèse 31, 41, mon la paye pour vin 10 fois plus. Qui la Bible de Genèse 50, verset 20, c'est qui toi ton pensée. C'est qui toi ton pensée du mal pour faire mal, bon Dieu, tout ça pour maudit bien. Qui la Bible de Ecclésiaste 3, verset 11, bon Dieu fait tout qu'il chose, joli dans ce les temps, dans ce les temps. Si arrivé ça l'année là, on parle de crépi ou la cousine, on parle de crépi, ça bout que tu as envie crépi là. Bon Dieu, vous faites les jolis de ce l'état, pas qu'à sous la tête. L'année pour vider, l'année pour changer, ça bout crépi là pour crépi pour la grâce de Dieu. Moi, t'en joli, amen. Moi, t'en joli, amen. Qui la Bible dit dans Nom 23, 23, allez, je te mets ta main devant. Devant comme ça. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, Nom 23, 23, qui la Bible dit? Ni la sorcellerie, ni la divination, pas qu'à tout ce moment. Qui la Bible dit, Exode 14, 14. L'Éternel, lui-même, lui pour combattre pour moi. Exode 14, verset 15. Go forward. Je te dis go forward. Je te dis aller de l'avant. Je te dis faire progrès. Je te dis persévérer. Amen. Qui la Bible dit dans Joël 3, le verset 21. Allez-nous la main. Joël 3, verset 21. Bon Dieu, l'âme nous disant. Mon tout frère, car qu'est-ce que tu fais jusqu'à là, dit? Gloire à Dieu, frère. Bon Dieu, l'âme te disant, pas tout. J'ai déjà bon Dieu une larme maudissant. J'ai déjà bon Dieu une larme maudissant. Amen. Père de Dieu, le titre de mon message aujourd'hui, c'est Dieu donne nous tous un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, le verset 18, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5 et le verset 18. Nous allons d'abord le verset 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, est-ce qu'il ou avec moi nous en Jésus-Christ? Ou bien juste en le diable? Ben non, nous en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est là pour vivre pour nous là. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il y a une nouvelle créature. Je te dis ma nouvelle créature. Je te dis je suis une nouvelle créature. Tout ce que tu fais aussi, j'ai dit une nouvelle créature. Ceux qui peuvent être là, ou une nouvelle créature. Nous, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Dieu garde sa veste là bien dans l'équerre. N'importe quand le diable accuse nous d'une quelque chose dans le passé. N'importe quand le diable taquine nous, elle n'est rien qu'une faire. N'importe quand le diable dérange la vie à cause d'une maladie qui est revenue. Un problème de famille, foyer, travail qui est revenu. La même pour changer là, le diable parfois met une pensée, ça un problème pour revenir là. Non. Qu'est-ce que nous veut dire? Moi, une nouvelle créature, moi, en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais pas les attendre en créole, ben là, j'ai, ça ne vient causer ça. Je te dis, ça ne vient causer ça. Je te dis, ça ne vient faire ça. Ça ne finit ça. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues? Toutes choses sont devenues? Quand tu es debout devant ton auto, qui te peut dire la bonne?
Toutes choses sont devenues nouvelles, le tonnerre fait venir là. Oui. N'importe qui carré dans ta vie te peut attendre une nouveauté, une nouvelle affaire venir. Debout devant ces affaires-là et dire par la foi, nouvelles affaires pour venir là. Nouveau meuble, nouveau marbre, nouveau. De lesquels tu tellement te suffis, poumons, les phares, pancréas, tripes. N'importe qui n'arrive à me déranger en dents. Seigneur, mon père t'a un nouveau léquier, mon père t'a un nouveau poumon, un nouveau léphoi, un nouveau pancréas. Restauration au niveau de mon écho. Je te dis une nouveauté. Je te dis nouvelle chose. Amen. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord, là? Nous tout ça. Regardez verset 18. Tout cela, il vient de Dieu. Dieu fait une réconcilie-nous avec lui. Bon, Dieu, une réconcilie-nous avec lui. Réconcilier veut dire, remettre-nous correct ensemble. Après, qu'il dit, il nous a donné, non, ça dernière bout là, qu'il nous a donné, sunissa bout d'un petit coup, qui bon Dieu de nous, underline, ressouligne sa ministère de réconciliation là, et underline ici là-bas, précoute la peinture, précoute palette, là où il y a underline, voilà, underline. Donc, la Bible, si moi j'en voulais juste underline ça. Peuple de Dieu, dans le monde qui ne peut vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de désaccords. Dans la case d'un foyer, il y a des accords entre mari et femme, et dormir dans des assemblées séparées, dans des cases séparées, dans des endroits séparés. Il y a des accords entre parents et enfants, il y a des accords entre frères, il y a des accords entre sœurs, il y a des accords entre du monde dans l'église et pasteur, il y a des accords entre du monde et bon Dieu. Dans différents carrés du monde sur la vie, il y a un disagreement, une division, une séparation. Qu'est-ce que bon Dieu appelle-nous pour faire? Ministère de réconciliation. De tout dire moyen dans moi. De tout dire moyen dans ma vie. Ministère de réconciliation. Le ministère de réconciliation, il est pour eux, il est pour moi, il est pour tout le monde dans cette église-là. Il est pour tout le monde qui peut guetter là. Le ministère, je te dis le ministère de réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce ministère-là? Combien de gens nous font réconcilier ensemble? Combien de gens ou même nous réconcilier avec ces gens-là? Comme on peut causer le ministère de réconciliation, on ne peut pas causer ou pour réconcilier des gens, monsieur A avec monsieur B. Si ou même ou pas en lien avec un quelqu'un, si ou même ou pas en lien avec qui que ce soit, vous besoin réconcilier. Maintenant, écoute bien, avant qu'il me continue, je veux comprendre bien que si un gens qui les a coupé la main droite, réconcilier veut dire, ok, si m'aurait trouvé là aussi, même au bout de bon, j'ai que mon la main gauche. Mais ça fera mon pas de mon la main gauche pour lui couper. Allô? Parce qu'au départ, même, tu as voulu finir expliquer ça bien. Comme on peut dire réconcilier, faudrait pas te dire, ah ouais, ça drogué, qui m'a tu peux faire camarade, oh, il y a moi, tu peux droguer, il y a moi, besoin réconcilier, oh, il y a c'était là. Ça qui nous peut dire là? Non. Sa camarade qui t'amène moi dans mauvais chemin, ça m'a dit, qui tu peux faire violence, viol, n'importe qui mauvaise affaire avec moi là, est-ce qu'il nous peut causer par sa qualité? Quand nous pouvons servir le mot réconcilier de sa message, quand nous pouvons dire oui, nous pouvons encourager pour réconcilier, nous pouvons causer en haut dans le cadre, dans le framework chrétien. Dans tout ce qui est bon. Ce qui est bon Dieu fin établi. Même quand nous pouvons dire, t'as l'air où, bizarre, amène réconciliation en bandimoun. T'as l'air, nous pouvons dire, là, nous bizarre, nous, bon Dieu, pour servir nous, pour que bandimoun réconcilie. Faut dire, lire en lien avec la parole de Dieu. Ne pas vous dire ça, dis-moi là, de ta petite cause que ça sorcier là, mais peut-être toi, c'est à réconcilier que ça sorcier là. Pas ça qu'il nous peut dire là. Mon langage est clair? Quand nous peut dire réconcilier, nous peut dire dans le cadre chrétien comme il se doit. Je te dis amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Maintenant, vous posez une question. C'est quoi les contraires des réconciliés? Si vous pas réconcilier des démons ensemble, qui vous peut faire? Séparer. Mais est-ce que la Bible dit bon Dieu de nous ministère séparation? Est-ce que la Bible dit bon Dieu de nous ministère division? Est-ce que la Bible dit bon Dieu de nous ministère, c'est pas ben du monde de l'église? Pas ce ministère-là, bon Dieu de nous. Est-ce que bon Dieu de nous ministère cause plein femme là sous oreilles pour les quitter son mari? Parce qu'il y a aussi une quitte son mari à cause toujours, alors toujours, mais qui son mari alors? Pas ça? Est-ce qu'il y a cause où parents particuliers, alors on encourage tous enfants pour désobéir à parents? Non. Bon Dieu, pas de nous ministère les contraires de réconciliation. Non. Nous voulons trois exemples, l'exemple classique de la Bible qui est vraiment joli. Peuple de Dieu, nous pas finir appelé pour séparer ben du monde, nous pas finir appelé pour séparer ben des enfants des autres parents. Malheureusement, parfois arriver où on a un mauvais point de vue, où un parent là. Et là, on monte la tête des enfants là, pour lui trouve parent là mauvais, méchant. Peut-être parent là dans une certaine, une certaine situation, sur l'attitude tu comme ça envers toi. Mais lui, il y a encore content sur ses enfants, il peut n'en rien faire mauvais que ses enfants, il y a envie de bonner à ses enfants.
Faut des personnes pas prendre téléphone, pas faire parler pour diviser le monde. Je dis amen. Faut des personnes pas prendre portable, WhatsApp, SMS, Facebook pour apporter division, apporter les contraires, c'est qui réconciliation faire. Je dis amen. Les choses anciennes sont finies pour toi et pour ça du monde là si. Vous êtes un amen. Les choses anciennes sont passées pour toi et pour ça du monde là si. N'a pas pour passer du monde te remettre pas devant. Infini, infini. Surtout un du monde qui infini mort. N'a pas créé une sorte de cause. Je dis amen. C'est si vous continuez à savoir pas pour tout le monde ou garçon si vous pas gosser pour là, je peux plus trop moi. Merci beaucoup. Combien de monde nous connaît nous-mêmes? Nous tous nous pouvons vivre, nous pas dans l'école, nous dans beaucoup de places, beaucoup de secteurs dans la vie. Combien parmi nous nous connaissons un du monde qui pas peut cause avec un autre du monde? Allez, regardez les autres la main. Combien parmi nous connaissons un kiken qui pas peut cause avec un kiken? Combien parmi nous connaissons un du monde qui pas peut cause avec Pasteur Asvin? Combien parmi nous connaissons un du monde qui pas peut cause avec notre mari, notre femme, notre enfant? Je pas en bon terme, voilà les mots. Je pas en bon terme. Dieu finit de nous, chrétiens. Enfant de Dieu, sa ministère-là, pour réconcilier Benjamin. Je te dis amen. Combien de mariages nous connaissent pas dans une bonne forme? Combien de mariages nous connaissons pas pétoun comme un bizin? Dans le travail, qui quand c'est du monde nous connaît pas pétoun comme manager? Bon, écoute ça, il est bon de me dire ça aussi. Je vais ça d'ailleurs dans mon note. Faudrait pas nous faire des du monde tombe d'accord parce qu'après nous pour gagner l'intérêt là-dedans. Faudrait pas nous faire des dimons tombent d'accord. Si ça des dimons là tombent d'accord, maman bien t'en a pour manger après. Maman bien t'en a pour manger après. Faudrait pas nous, l'idée derrière faire des dimons réconcilier, c'est pas pour nous gagner quelque chose en retour. Vous avez un amen? N'a pas pour réconcilier des dimons juste parce que toi t'as envie de gagner. Allez, fais comme on dit un exemple, un petit exemple maternel, moi vous donner. Fais comme on dit, nous avons un petit garçon dans la case, après nous avons une grand-sœur là, tiens, un fiancé, tu as bien venu à un chocolat. À cette fiancée, pas peut causer fiancé. À cette petite garçon, on parle, mettre, je vous tombe d'accord, qui fait? Pour dire, il continue un chocolat pour manger. Combien de monsieur connaît quand j'ai, quand j'ai fréquenté, j'ai un chocolat? Combien de monsieur connaît de la chocolat là, c'est pas si fait là qui mangeait? Tout de la casa profite de ce chocolat là. Amen? C'est ça, moi, pour donner l'exemple, faut pas nous refaire réconcilier, après, derrière, nous qui sommes gagnants là-dedans. Nous lis. L'objectif, le but de réconciliation, c'est bon Dieu de glorifier, et bon Dieu d'appeler nous pour faire ça, et nous faire lire. Un point, c'est tout. Je te dis amen. Selfless. Selfless. Bon. Et qu'est-ce que ça aussi? Faudrait pas me forcer un dimon pour réconcilier. Dis bon, on dépend même au film et tout ça, man, base, là, hein. Pas forcer un dimon pour réconcilier. Tu vas pas te rappeler pas ce CV, pas ce souci, pas ce style, ce léger, t'es allé venir la réconcilier avec ça, là. Tu pas forcer personne pour réconcilier. Te dis, je te réconcilier, te explique, je te l'avantage qui est là, bénéfice qui est là, peut-être que je peux pas trouver, comment il est important pour ses enfants la même, maman, papa, bizarre réconcilier, si toi, maman, tu ne peux vivre séparé, bon, mon papa, c'est qu'il finit prendre décision pour séparer, de divorcer, mon papa, cause, oh là, hein, quoi que si je finis divorcer, si bon, j'ai des restaurations, et qu'à pas resto, mon papa, cause, d'avant quatre côtes, dans la mesure qui est possible, moi, espérer, je peux compenser que mon pédia. Et n'a pas de moment, il n'a pas de cas que ça dit mon là, peut prendre couteau, peut brilou, peut couper aux oreilles, peut couper coupou, peut manzou, peut mordou, peut dessiaou, carrément, littéralement, peut mordou, peut coupou, peut picou, pas peut de nous manger, peut tous les temps, batou devant vos enfants, prend ouf, pilou en miraille, pilou, peut tape coup de pioche dans ou, ça disait que, point de moment, plutôt séparé, jusqu'à qui bon Dieu s'est parlé, sans y, fait ce qui est bizarre. Je dis même là, nous pas pour promouvoir qu'un dimoun, il est pas correct dans la peau, il est pas bon, dans ce bon état, nous pas pour encourager un dimoun, qu'on tire ça avec lui. Nous prier. Je te dis à nous prier. Ok. Allez, Raï. Nous pas force personne pour réconcilier. Mais nous prêcher, nous explique, ben dimoun là pour réconcilier. Non, il y a pourtant, me dire ça aussi. Je te dis pas force personne. Pas menace personne. Parfois, il y a une menace, c'est si. Faudrait pas nous servir menace, faudrait pas nous servir la force. Nous regardons Corinthiens, qu'il dit. Nous regardons verset 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le deuxième, l'année pour venir, l'année pour aller. Calendrier pour changer, ban année pour changer, ban date pour changer. Un du monde qui vous connaît pas en bon terme avec les autres du monde, que vous ajoutez avec la sagesse. C'est sûr, depuis quand tu peux continuer comme ça? Un an, tu pas fini de goûter, reste tout seul comme il était? Tu as fini de trouver comment il était, non? Tu as fait des fois plus beaucoup de progrès pour ses enfants là-même, avec des dimons. De la main, tu as fait faire son. Des dimons travaillent pour bénir, pour enfants là, sur le bonheur, les plus qu'un seul dimons travaillent.
réconcilier, continuer dans l'Église, fixer ton Église au Jésus, pardonner. Peu importe qui l'a dit à toi de colère, pardonne du monde là. Toi content. Parce que Jésus ne pardonne pas, pardonne toi aussi. Je te dis amen. Quel est le prochain verset qu'il dit? Verset 18. Tout cela vient de Dieu. Souvenez sa bout là. Tout cela, par qui il est venu, frère Anil? Il vient de Dieu. Allez, nous guettons ce dernier mot là. Ministère de réconciliation. Par qui ça en ligne, ministère? Bon Dieu, donne-toi le ministère de réconciliation. Ne pas supposer mes différents dans la vie, dans la relation mandimoun. Ne pas supposer mes différents des pasteurs. Ne pas supposer mes différents. C'est pas ça que bon Dieu n'appelle nous. Bon Dieu n'appelle nous, il donne-nous le ministère de réconciliation. Moi, t'en joli amen. Moi, t'en joli amen. Le gueule de verset 19. Quand Dieu, étant en Jésus-Christ, il réconcilie les mondes avec lui-même. Il n'y a pas une offense. Il n'y a pas une offense. Il y a la clé qui bon Dieu peut de nous quand on est pas causé pour faire mandimoun réconcilier. Prends l'exemple de Dieu. Si bon Dieu pas nous offense, il réconcilie nous. Capable de moulin offense toi, je dois dire offensé. Frère et sœur, ça c'est un gros mot, ça, offensé. C'est à cause de l'offense. À cause de qui fait mal. Il offense moi. Il blesse moi. Offense. Il y a une grosse raison qui fait beaucoup de monde séparer, beaucoup de monde pas causer, et dans division, et dans séparation, du monde reste loin. Mais qu'est-ce que bon Dieu ne fait? Quand tu es dans offense, bon Dieu ne réconcilie nous. Il y a un prochain mot qui est intéressant dans sa phrase. Il a mis en nous la parole. Allez, réponds-moi. Allez, réponds-moi. Je te dis à Moïna dans moi. Elle met Dieu debout. Je te dis à Moïna dans moi. Parole de réconciliation. Allez, je te fais comme ça. Je te dis à moi pour aller. Moi pour aller réconcilier. Bandimoun. Pasteur, moi pas connais qui pour causer. Attends. Qui nous fait crier là? Bon Dieu met dans nous parole réconciliation. Pas toi qui bise fabrique parole là. Pas toi qui bise cuit parole là. Pas toi qui bise bruit qui bise le causer. Bon Dieu pour mes paroles là de la bouche. Et il y appelle parole de réconciliation. Moi prophétiser dans le nom de Jésus dans nous tout nous l'aller. Bon Dieu met parole de réconciliation. Beaucoup de monde pour causer aux autres pour l'année. Dans le pays de novembre, décembre, dans le période de décembre, quand tu te dis, nous jouons les doublés, triplés, quadruplés. Cinq mots pas qu'on a comme ça, on va pas nous dire. On dit doublés, triplés, quadruplés. Cinq, comment nous dire? J'ai oublié. Cinq qui plaît? Peuple de Dieu, nous besoin beaucoup de monde pour décembre. Mollet ou profite toute l'occasion qui vous donne du monde, qui vous connaît. N'a pas cause avec un autre du monde. Dis pas volonté bon Dieu, quand on peut faire une femme, on va dire, ou bien nous, n'importe, ou on a cinq frères. Des frères pas causés que trois frères. Deux frères pas causés que trois frères. Vous pensez les volontés de Dieu, vous faites manger avec des frères l'un jour, et là, puisque les trois frères là pas causé, neuf jours, l'autre jour, là. Comme vous connaissez parfois les bonnes familles, comme ça. Puisque ça délaisse pas causer, nous pouvons pas inviter ensemble. Un autre jour, on n'a pas invité. Au contraire, c'était l'occasion pour inviter tout ensemble. C'était l'occasion pour inviter tout ensemble. C'était l'occasion pour se tous retrouver camarades ensemble. Amen. De la case à la case de paix. Je te dis amen. Nous, nous sommes chrétiens. Quand nous faisons manger pour l'année, les différents. Quand nous faisons manger, mon frère, c'est une réconciliation tout là-dedans. Et une bénédiction, une guérison tout là-dedans. Quand nous faisons manger, nous mettons la table pour ma famille manger. C'est qu'il y a un diabète, tension, cholestérol, le pot qui maladie, je capable de venir de l'écho. Je te dis à nous manger, les bénis. Je te dis à nous manger, les bénis. Me déclarer dans le nom de Jésus, peut-être beaucoup parmi eux, je vais inviter Bandimoun pour l'année, me déclarer pour une guérison. Vous êtes la maison pour venir à la maison, votre guérison pour prendre place. Chakatara bababa rebidikete ribesto. La Bible dit moi dans le verset 19, bon Dieu donne nous paroles de réconciliation. N'importe quand tu as une pensée, qui m'a pu dire, avec qui m'a besoin de dire, moi pas connaître qui peut dire, comment sa pensée là disparaît? Dire au nom de Jésus. Allez, nous tous nous dire au nom de Jésus. Bon Dieu, mette paroles de réconciliation dans mon lèvre. Le verset 20. Faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Souvent, nous t'en demandons du monde, prend sa phrase à dire, oui, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Nous, quand on prend sa phrase à faire un message avec ça, nous sommes ambassadeurs. Mais attends, ambassadeur, oui. Avant ça, l'Indien nous réconcilie du monde. Un des mêmes travail ambassadeur, c'est apôtre réconciliation. Le deux amen. Bon Dieu n'appelle nous ambassadeurs, représentants de Dieu. Et nous, en tant que représentants de Dieu, nous supposons réconcilier du monde. Le deux amen. Et le verset 20. Comme si Dieu exhortait par nous. Ah, sur les saints du coup. Qui bon Dieu fait par nous?
Sa prière? Exhorter. C'est à ça que bon Dieu est capable de faire par où? Exhorter. Qui bon Dieu peut faire par moi aujourd'hui là? Prêcher. Bon Dieu est capable de prêcher par moi aujourd'hui. Par moi, par où? Quand on fait gospel manifeste, quand on apprend sa parole de Dieu, ben, du monde. Bon Dieu est capable de cause à travers de où? Je te dis, bon Dieu cause par moi. Je te ben dire, je te dis, Dieu, lui causer par moi. Mais déjà là-dedans, comme si Dieu exhortait par nous, ou bien Dieu parlait, ou bien Dieu prêchait, ou bien Dieu enseignait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Arrête la même. Dieu donne nous ministère de réconciliation. Je te dis, Dieu donne-moi ministère de réconciliation. Première petite chose qui nous arrive nous-mêmes, nous devons réconcilier avec bon Dieu. Et comment un chrétien, si vous pouvez vivre un péché, vous pouvez vivre des erreurs, sentir bon Dieu loin, bon Dieu, pardon, Seigneur, là, moi, purifie-moi, sanctifie-moi, dis-toi, merci de nous réconcilier avec toi, Seigneur. Réconcilier, veut dire, toi qui tu es, de nous venir prêt. Réconcilier, veut dire, je ne recommence à causer. Réconcilier, veut dire, je te retrouve, je te camarade. Réconcilier, veut dire, je te retente, je te camarade, je te écoute, je te camarade, je te ré ensemble. Ça, veut dire réconcilier. Je te dis, amen. Encore une fois, moi, peut dire, comme on peut dire réconcilier ici, moi, pas cause le péché, moi, pas cause le méchant, moi, pas cause mauvais quelque chose. Moi, pas cause dans le cadre chrétien. C'est que la Bible dit. Mon langage est clair, tout le monde? Mon langage est clair, tout le monde? Ok. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Peuple de Dieu, première affaire qui nous faisait faire du monde réconcilier, première qui canne avec qui nous faisait faire du monde réconcilier, c'est avec Dieu. Encore une fois, vous avez saisi l'occasion pour ce qu'il en est pour venir. Vous avez besoin de trois qualités du monde pour l'année. Seigneur, vous avez besoin de monde rétrograde pour l'année. Tout ce que vous faites, Seigneur, j'ai dit prêche l'évangile à ban rétrograde. Ça là nous besoin de Seigneur? Ban rétrograde. Pour l'année, bon Dieu, pour faire ce besoin de monde qui longtemps n'arrête pas l'église. Le chemin que je vous montre, c'est besoin de monde qui longtemps je ne peux pas trouver dans l'église. Dans magasin, j'ai besoin de du monde. Dans supermarché, dans bazar, dans la poste. Bon Dieu, pour planifier qu'il y mette du monde rétrograde dans notre chemin. N'a pas laissé du monde année passer comme ça même. N'a pas laissé du monde qui manie tout bien, tout correct, bonne année. Non. J'ai du monde là, get ça, tu connais. Arrive ce qui n'arrive. Oublie ça, toi, vis une église, quand tu vis une église. Quand tu peux vivre une église, tu la vis pas si plus bon longtemps. Vini. Quand tu parles, en dehors Zézi. Tu connais toi Zézi tout seul, si, mais l'abbé. Frères et sœurs, le bizarre est à route maniguer, prêcher l'évangile. Amen. Maintenant, je dis amen. Et tous ceux qui nous connaissent abordent le Seigneur de cet endroit-là. C'est nous devons, en tant que chrétiens, faire notre réconcilier avec bon Dieu. C'est nous devons, ça. Je dis amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Deuxième. Parfois, dis-moi une parole de réconcilier parce qu'il y a l'amertume dans ce décaire. Bon, pas pour pardonner, il y a l'amertume, il y a la rancune, il y a la vengeance, ils sont trop blessés. Alors, moi, je demande, vous parlez de Dieu là, réconcilier. Depuis la maison, on commence à prier pour Dieu là. Premièrement, prier pour les guéris. Je te écris ça dans ce cahier. Prier pour la guérison. Quand Dieu là, vraiment blessé, il est blessé d'une façon qui pas t'attendre. Et comme il peut connaître la guérison, la prière, il apporte la guérison. Prier pour Dieu là, guéri. Seigneur, faites ça. N'importe qui dit mon si dans ce place ça, lesquels tu peux faire mal même Seigneur. Seigneur, n'importe qui dit mon si dans ce place, capable vrai oui tu peux blesser ça en façon faire là tu peux blesser hein. Mais non, il est pas possible devant toi Seigneur. Tu toujours qu'à guérir toi Seigneur. Tu es capable d'enlever sa douleur de soleil qui est là. Seigneur, va le mauvais souvenir qui peut déranger. Lave ça Seigneur. Tu pas de tes paroles tu auras nous plus blanc que la neige. Tu pas de tes paroles dit sans hésiter capable de nous purifier, nous sanctifier nous. Lave les Seigneur. Seigneur, tu pas de tes paroles tu es à l'équerre. Rosa, tu peux donner l'équerre humain. Donne-nous ça l'équerre qui part comme un rosa, Seigneur. Donne-lui. Priez pour Dieu, priez pour Dieu, et n'a pas oublié ça, ce démon. N'a pas oublié ça, ce démon. Mais commande ça, démon. L'amertume, rancune. Qu'une garde sur l'équerre là. L'autre sur l'équerre dans le nom de Jésus. Mais commande ça, démon. Qu'une enveloppe lit, une embobine lit, une séduire lit. Une garde lit de sa fausse raisonnement là. Allez dans le nom de Jésus Christ. Priez pour sa guérison. Ça, c'est tout un démon qui peut bloquer lit. Qui peut empêcher réconcilier, empêcher pardonner, et où compte-t-il faire travail, ministre de réconciliation. Amen. Si tu n'as pas capable de causer, pas lui tout seul, qui te fait la bonne? Ah, je n'ai pas capable de causer, pas lui tout seul, là, c'est Rima. Parce que c'est Rima, internet, comme ça, je n'ai pas fait live.
Exactement. Tu as saisi ton cousin après. Prends-le, si bizarre, compagne-le, allez faire intermédiaire. Tu n'as pas besoin de causer pour toi. Tu peux trouver difficile pour là-bas pour toi tout seul. Tu peux trouver compliqué pour là-bas pour toi tout seul. Non, allez-moi parler avec toi. Je te dis, non, allez-moi parler avec toi. Allez, je te parle chrétien. Je te dis, non, allez-moi parler avec toi. Venez l'aide pour du monde. Non. Pasteur, il parle les mourants qu'on lit dans la case. Mais aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire ce truc conseil dans la propre case parce qu'il y a une belle-mère, beau-père, tout pour mettre des épices, pour mettre ceux réunis. Comme même pour ceux qui connaissent, il y a des affaires qui appellent artisans, il y a des affaires qui appellent café luxe, il y a des affaires qui appellent KFC, il y a des affaires qui appellent McDonald's, il y a des affaires qui appellent de ta propre case même, te faire une bonne dîner, te donner une dîner, ma salade, te quitter toi. Rôde ban moyen. Rôde ban l'occasion. Saisis ban l'occasion. Crée ban l'opportunité. Crée ban événement. Prends ce pour surprise. Mais où, dans la tête ou dans, vous fais ça avec l'intention de vous être réconcilié. Je te dis amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Colossiens 2, verset 20. Colossiens 2, verset 20, la Bible pour montrer nous comment, voilà. Bon Dieu, tu as envie par Jésus-Christ réconcilier toutes les choses avec lui-même. Il récause réconciliation avec bon Dieu. Mon frère, mon sœur, contient un t'as là, mon Dieu, pour la naissance, besoin de toi du monde. J'ai besoin de celui qui n'a abandonné. J'ai besoin de ma nouveau du monde qui s'amène dans Jésus. Et j'ai besoin de man qui me décourage. Fortifie sa bande du monde pour l'année. Priez pour sa bande du monde pour l'année. En passant, mon Dieu, quand je t'invite bande du monde pour l'année, que Dieu pour manger. Si je suis tout chrétien, ou bien si trois corps chrétiens, prenez la guitare qui te part, mettez l'adoration et nous chantons cantique. Nous finissons manger là, non? Chant, nous chantons un peu cantique, nous voyons deux bon Dieu, quand même 10 minutes. Quand même 10 minutes, nous voyons deux bon Dieu. Hein? Nous pour prier. Peine personne sur la guitare que toi, peine personne sur l'instrument que toi. Attends, nous pour prier un moment, nous vous bénissons l'année là. Nous vous bénissons l'année là. Bénis 2023. Ensemble avec tout le monde du monde. Pasteur, ben 5 jours, parce qu'un jour, m'invite belle-mère, un jour, beau-père, un jour, frère, un jour, ça sous le bahou. Ok, 5 jours, te fais un rayon prière que toi. Saisis tout l'occasion. Tu as dit, viens un rayon prière. Et bénis. Bénis. Prononce bénédiction. Je te dis amen. Ok. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans, là? Bon Dieu, dans le plan de Dieu, il a envie de réunir, il a envie de réconcilier tout qui se trouve sur la terre et dans les ciels, faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Je trouve la paix glissant là-dedans. Souvenez-vous de ce mot-là? La paix glissant. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Seigneur, mon couvert ça des dimouna par le sang de Jésus. Mon couvert ça des familles-là par le sang de Jésus. Le sang de Jésus amène la paix. Je te dis, le sang de Jésus, il amène la paix. Si toi-même, t'es en litige avec un kikène, t'es pas pu causer lit pendant longtemps, t'as pas envie, bon Dieu, réconcilier eux. Peuple de Dieu, plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a une capacité pour nettoyer, pour tirer tout mal, propreté, tout infection, tout mauvais qu'il chose. Le sang de Jésus, lui, comme un diffé. Pareil comme un l'eau, quand tu mets de diffé, tout un bac, ban impureté, allez. Le sang de Jésus, mon frère, mon sœur, est capable de nettoyer. Je te dis, le sang de Jésus, il amène la paix. Plaide beaucoup le sang de Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Peuple de Dieu, devant le mariage, il y a beaucoup de mariage, il y a de malentendu. Il y a beaucoup de mariage, il y a de mauvaises choses qui peut faire entre mari et femme. Mari peut faire contre femme, femme peut faire contre mari. Devant le mariage, parfois, il y a un acte qui n'est pas correct. Il y a un mischief. Devant le mariage, parfois, il y a une unfaithfulness, une infidélité. Devant le mariage, parfois, il y a une manipulation. Devant le mariage, parfois, trop beaucoup de parents qui peuvent contrôler. Beaucoup de choses contribuent pour qu'un mariage soit séparé. Beaucoup de paroles, beaucoup de causes. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent faire. Écris ça dans mon comments. A broken home and a broken marriage is not God's plan. Écris ça. A broken home, a broken marriage is not God's plan. Un la case cassée, un mariage cassé, c'est pas volonté de Dieu. Mon frère, mon sœur, fait tout pour qu'il y ait une réconciliation. Fais-moi dire où un enfant, devant où maman, papa de la guerre pendant une semaine, pas peut causer. Même si où un enfant peut être sa message aujourd'hui. C'est au devoir. Man, papa même ça, mais qui te peut faire? Prier, il peut changer. T'as pas peur qu'aujourd'hui, là, il peut changer. Quand t'as pas peur qu'aujourd'hui, ça qu'un bourriche sur le côté, l'année peut venir, pardonne-lui pas. Tu te connais, il y a comme ça même. Soit maman, soit papa, tu te comme ça, pas. Tu connais, toi. Menti, ça se pas dire, hein. Ça se pas dire. C'est pas dire grand-mère. Ça se pas ça, mon insulté, là. Tu pas dire, tu sois femme, comme ça, tu pas connais, tu sois femme, grande bouche, t'as, tu connais. Ça, tu connais, toi, ça fois les choses, là-bas, il vient, il commence comme ça. Non, non, ne pas mettre tout ça dans les affaires là-dedans. Parce qu'il y a une parole de réconciliation dans nous, là-dedans. Parfois, monsieur, mon père, dit, même si vous avez un enfant,
Bon Dieu, car c'est les enfants, c'est pas votre réconciliation. Je te dis Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible, tu en as dit l'exemple. Je connais premier l'exemple que vous donnez, c'est le fils prodigue. Alors, mon cause au mariage, et t'as l'exemple de l'exemple comment bon Dieu reste au mariage. Deuxième, c'est au niveau la case réconciliation, au niveau friendship ou bien l'amitié. Frère Junaïk, pasteur Junaïk, quand le fils prodigue, tu retournes la case. Ce grand frère, tu te trouves, tu es dans le ministère réconciliation. Grand frère, qu'est-ce que tu fais à la case? Et tu continues le travail, et tu es en colère, et tu continues à rouler sur le business, et tu es busy, busy, de ce qu'il peut faire. Et parce que même quand ça t'aide, tu as réconcilié les enfants avec papa là. Petit, ça t'a parlé, si tu grand frère, ça, laisse-le, il y a une casse, ça, fait, non, y a laisse-le. Et si, fait, non, y arrive ça. Faudrait pas nous venir, comment dire, grand fils prodigue. Grand frère du fils prodigue. Ça, c'est carrément l'exemple du Mouna, il n'y a pas de ministère. Ministère de réconciliation. Il n'y a pas d'exerce le ministère de réconciliation. Faudrait pas voir avec moi, nous tellement busy, pareil, comme un grand frère peut travailler de carreau, peut travailler, puis envie de faire plaisir, papa, frère, sœur, tous les autres du monde, mais oublier ce qu'appelle ministère de réconciliation. Je te dis Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Vous voulez me donner déjà un exemple dans la Bible, que ministère de réconciliation, pas être exercé? Combien qu'on dit, toi, tonton, Abraham et Névé, Lot? Abraham avec Lot, c'est Névé et tonton. Ça arrive un moment de David, c'est la séparation, chacun sale de son côté. Qui te pose de trouver dans la Bible, dis-moi, quelqu'un est venu réconcilier tonton avec Névé là? Non, chacun est continué sur la vie, c'est par lui-même. Voilà, là-bas, c'était une occasion pour qu'il y ait un ministère de réconciliation. Et personne n'exerce le ministère de réconciliation de sa relation là. Au lieu de donner l'exemple, Caïn avec Abel, d'accord, Caïn avec Abel, chacun, ils ont servi bon Dieu de différentes façons. Par exemple, dans l'église, ils ont adoré pendant un temps, ils ont adoré pendant des temps, ils ont adoré pendant 30 minutes. Chacun a différentes façons, il peut servir bon Dieu. On dit une phrase bien faux, là. Caïn, tu es dans sa façon, il a honoré ce bon Dieu. Abel, tu es dans sa façon, il a honoré ce bon Dieu. Nous parlons pour 10 personnes, nous. Je te dis Amen. N'a pas 10 personnes la façon qu'ils ont payé au bon Dieu. N'a pas 10 personnes la façon qu'ils ont d'église pour rouler. Si bon Dieu n'espère pour faire ça, laissez-le faire ce que bon Dieu n'a dit faire. Je te dis Amen. Je te dis Amen. Ok. Mais quand Caïn avec Abel, tu as une divergence d'opinion concernant comment besoin adorer bon Dieu, comment besoin honorer bon Dieu, ainsi de suite. Ça, il est toléré jusqu'à qu'il n'arrive un meurtre, une fin de crime, un land mort. Si tu n'es quelqu'un, tu finis réconcilier ça des dimonas, cette divergence d'opinion, vite, bonnet même. Pas tu bonnes un crime un jour. Qui me peut redire où? Ne peut pas avoir un différent point de vue loin quelque chose. Mais il faudrait pas s'avancer une séparation dans nous. Il faudrait pas à cause Anil pour dire non, nous besoin sauver ces enfants là. Maman là pour dire non, qui besoin sauver ces enfants là. Trois enfants, nous ne faisons à la case, personne pas ne se fait, pas ne mettre réseau fou dans la case pour ces enfants là. Il faudrait pas nous mettre type des affaires comme ça. Viennent la guerre dans la case. Un exemple pour donner. Il faudrait pas juste son maman, son papa, son bébé, son beau-père dire non, nous besoin mettre un sari dans la case ou mettre la case, mes enfants de balancer là-dedans. Mettez un baba rose carré, comme on dit, balance un peu plus vite. Même des beaux condos, tu te rappelles là? Que tu peux prendre, tu peux aller à soi. Mettez un tazon en bas aux oreilles. Non, mettez un couteau, mettez un canif, mettez un panga. C'est même un pixie pareil. Mais une photo tazon pour moi aussi? Tazon n'a pas payé. Mettez une photo. Tu veux comprendre ce que je peux dire? Faudrait pas nous laisser une divergence, opinion, créer la guerre, créer des autres, créer des discussions. Et nous tous, nous sommes capables de dire, allez. Faudrait pas, je tout qu'il a, écoute-moi bien. N'importe quelle discussion levée dans la case, n'importe quel malentendu levé dans la case, je tout bien capable de lever, dire, ok. Faudrait pas nous laisser ça faire une division. Je vais répéter après moi. Je dis, ok. Faudrait pas nous laisser ça faire une division, là. Amen? Est-ce que mon langage est clair? Oui. N'a pas laissé ça faire une division, là. Allez, nous tenons ça la même. Je dis, nous tenons ça la même. Je dis, nous finissons ça la même. Je dis, nous guettons de l'avant. Ok. Gloire à Dieu. Même bon Dieu pour dire, Caïn, qui fait te figuer comme ça? Qui fait te en colère? Si tu fais ce qui est correct, tu vas t'accepter toi aussi. Bon Dieu peut faire ministère de réconciliation. Fais ce qui est correct, il va accepter toi dans la casa. Fais ce qui est correct, il va accepter toi. Fais ce qui est correct, et lâche-toi pour restaurer. Deuxième, c'est Caïn avec ce bon parent. Caïn finit faire crime, allez d'accord. Un garçon poussé par impulsion, hot temper, il a fait un crime, il finit tuer, d'accord, il finit faire meurtre. Après, il peut sauver, il peut aller. Mais personne ne peut venir pas réconcilier Caïn avec ses parents. Quand on va arriver à un enfant faire rire, un enfant faire rire, on ne peut pas dire à un enfant bizarre faire rire. On ne peut pas dire à un enfant bizarre faire rire. Non. Si il arrive à un enfant faire rire, si il arrive à un enfant, il fait une affaire contraire. Si il arrive à un enfant, il a mal prendre chemin, il a mal prendre la porte. Si il arrive, on peut dire.
Le bisaka reste aux enfants avec ses parents. Le deuxième amen. D'accord, ces enfants ont fini faire sa prison, ils ont fini faire tout ce qu'ils devaient payer en termes légaux, ainsi de suite. Mais après, pense pour rester aux enfants-là, à ses parents. Je te dis amen. Merci Seigneur, merci Jésus. J'ai besoin d'une question aujourd'hui. Will you be there? Est-ce que toi tu es pour là-bas pour réconcilier Caïn avec Abel? Est-ce que toi tu es pour là-bas pour réconcilier Caïn avec son maman, son papa? Est-ce que toi tu es capable de bon Dieu qui a servi toi pour réconcilier Abraham avec Lot? Est-ce que bon Dieu est capable de servir toi? Merci Seigneur. Joseph Tendimoun, ici pareil, bon Dieu servi pour réconciliation. Comment vous connaissez Joseph sur une famille qui split? Vous connaissez Joseph arrivé à un moment donné, sa famille séparée? Donnez-moi un autre exemple. Joseph, il est dans l'Égypte. D'accord là? Joseph, il est dans l'Égypte. Qui t'arrive, c'est Joseph? Vous connaissez Joseph Tendimoun? Que Joseph se sert allé? La Timnam ou quoi? Sichem, Sichem. J'ai Sichem. Se sert à l'endroit, la même qui m'en a pour violer, ainsi de suite. Judas que t'as allé, le frère de Joseph, c'est Judas. L'ici, t'as allé dans l'autre endroit, là-bas même, il peut trouver sa belle-fille, ainsi de suite, pour arriver à une commérase, là-bas aussi, là. Qui peut arriver, Ruben? Commençons même là, comme à la pouvoir de Joseph. Ruben, pas-t-il là? T'as une famille split. Vous connaissez quand la famille est réunie? Je les connais quand la famille est réconciliée? Quand Joseph est premier ministre, quand bon Dieu restaure Joseph, quand Joseph occupe fonction qui est bizarre, un jour Joseph invite toute famille à la case et toute famille pour restaurer tout, vini, tout pour venir là. Réalise-toi Joseph avec un nouveau lisier concernant restauration, réconciliation. Dieu Dieu de réconciliation. Bon Dieu bénis-toi aujourd'hui comme un Joseph. Je dis à bon Dieu bénis-moi comme un Joseph. Où est la Bible dans Actes des Apôtres 9, le verset 27? Actes des Apôtres 9, le verset 27. On montre toujours un exemple dans la Bible. Regardez verset 26. Bon, pour monter aux réconciliations dans l'église. Réconciliation dans l'église. Quand Barnabas il arrive, sorry, quand Paul il c'est Paul, le verset 26. Il c'est Paul. Quand Paul il rentre à Jérusalem, Saul s'attacha de se joindre à eux. Paul, ou bien aussi sur un nom Saul, il a envie à Tasli, ou bien il a envie de joindre Barnabas. Celui-ci me joindre là. Mais personne ne parle de tout. Pégain, PLI, je ne parle pas de quoi qu'il est un disciple, je ne parle pas de quoi qu'il est sans eux. C'est en de la même. Allez lire les différentes versions et allez les histoires un petit peu avant. Paul peut prendre sa parole de Dieu, un miracle, c'est un prodige. Paul peut faire ce qu'un disciple bien faire. Paul il montre qu'il est changé. Mais à ce temps, quand il vient de Jérusalem, personne ne parle de lui. L'église parle de lui. L'église, il y a un raisonnement. Quand du monde de l'église parle de lui, il n'y a pas d'accord, parce qu'il est changé, ainsi de suite. Il est oublié tout seul. Il est oublié tout seul. Le verset 27. C'est là qui rentre dans le film là. Allez, réponds-moi. C'est là qui rentre dans le film là. Allez, réponds-moi. Barnabas rentre dans le film. Quand Barnabas rentre dans le film, qu'est-ce qu'il fait? Critique bien folle, il y a dit pour moi. D'accord là. Celui-ci a bouddha. Barnabas, il prend l'île à l'île. Ok. Celui-ci a déjà un mot là. Barnabas, il conduit l'île. Que le bon apôtre. Qui t'a l'air à me dire? Si un démon ne peut pas réconcilier, qui te fait toi? Par cause pour lui? T'accompagnes lui, t'emmènes lui? Mais il y a ça dans la Bible? Est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Oui. Montre-moi le prochain verset. Le verset 30. Montre-moi le verset 30. Le verset 30 qui est arrivé. Ben frère, quand je n'apprends tout ce qui est arrivé, je emmène Paul avec eux à un endroit qui s'appelle Césarée et il reste ainsi de suite. C'est tout guettement. C'est une histoire, c'est un joli exemple dans la Bible que un dimoun dans l'église participe capable et retourne dans l'église. Peu importe qui raison. Il participe capable intégrer avec ce pasteur, il participe capable intégrer dans l'église. Il y a là qu'il y a un bon Dieu fait. Il s'est venu l'autre qui est appelé Barnabas. Barnabas est venu. Il n'a pas de réconciliation. Paul est incapable. Vous connaissez Paul, ce ministère est glorieux à cause de Barnabas qui donne un coup de main. Ouais. Paul peut écrire tout ça dans le livre là. Paul, ce ministère prend une autre dimension. Parce que tu as un jour, tu as un Barnabas qui est aidé. Est-ce que vous pouvez réaliser parfois, ça dit moi qui peut amener l'église là?
Ça dit monde qui pas peut venir l'église, il peut dire qui figure moi pas montrer pasteur, moi fini jour pasteur ce moment, qui figure moi pour amener moi pour montrer l'église. Capable, il peut hésiter pour venir. Quand tu te fais aller réconcilier, te fais aller revenir. Tu connais bon Dieu capable de te réserver un ministère Paul dans sur la vie. Et juste après, je te connais que la Bible dit, l'église, si dans la paix, l'église, il prospère. Montrez-moi ça. L'église, si dans la paix, l'église, il prospère. Peuple de Dieu, on prend ça à l'exemple, il y a 3 versets, il est simple pour comprendre. Si on a 10 personnes, pas peut venir à l'église, parce que je suis embarrassé parce que je propre la vie. Je suis embarrassé dans les passés, je n'ai pas la guerre avec pasteur. Je suis embarrassé parce que mon père n'a qu'une raison. C'est nous devoir pour venir à Barnabas. C'est nous devoir pour rendre la visite. Barnabas pas n'attend Paul vient côté. Barnabas ça mina côté Paul, il cause lui, il prend lui, il tient les temps, il donne sur les temps, il prend le risque, il arrête son agenda, son calendrier. Non, les mots pas mentent à non, les réalis. Nous n'avons grand apôtre Paul aujourd'hui, mais bon Dieu servi Barnabas comme un instrument de salier là. Qui tu peux arriver si pas tenir Miss Suzy pour faire l'école des enfants avec moi? Qui tu peux arriver si pas tenir pasteur Gopal pour venir mon pasteur dans mon époque Zénès? Qui tu vas arriver si mon patient n'a pas enseignant l'école publique, si ben a parti dans un tout ça là bon Dieu me mettait pour mauvais c'est qui mauvais aujourd'hui. Aussi pareil frères et sœurs. Ou là aujourd'hui parce que tu n'es pas Barnabas un jour. Ou dans l'église aujourd'hui parce que tu n'es pas Barnabas, tu n'es dimanche que bon Dieu tu mets dans le chemin pour azou. Est-ce qu'aujourd'hui ou pas qu'à venir Barnabas? Dieu dit mon là, t'es pas fini un an tu vas venir l'église, il y a 10 ans tu n'as abandonné. Quand nous étions dans une réunion, oui nous t'y moqua mercredi. Et l'insert, après 17 ans, il revient à l'église. Je te dis gloire à Dieu. Après 17 ans, il retourne en Jésus-Christ. Je te dis gloire à Dieu. Mon frère, Moseya, monsieur, madame, moi, je suis encouragé comme jamais auparavant. Venez qui ken pour restaurer un dimoun avec l'église. Frère, moi, tu connais un dimoun, tu parles à l'assemblée de Dieu en bas. Ou bien tu parles n'importe quoi de ça. Encouragez pour dire là-bas. Réalise l'église, t'as. Réalise, t'as persévéré. C'est pas papiers lequel l'église. Et puis tu dois nous-mêmes les papas là-bas, invite-les ici. Mais en général, encourage chacun pour réconcilier avec Jésus-Christ. Je te dis amen. Je te dis amen. Réconciliation. T'as là, moi, j'ai juste 2-3 affaires, moi, pour répéter là. Priez pour ça des dimouns-là, réconcilier, priez pour ça des dimouns-là. Deuxièmement, pas fausse, non, rien. Pas fausser, te juste causer. Laisse le Saint-Esprit convaincre. Après, mon esprit, je te prie pour la guérison de ça des dimouns-là, la cause de t'es blessé. Et n'a pas oublié que je peux besoin de la fausse, toi, débouter, finir la fausse pour ça des dimouns-là. Je te dis amen. Merci Seigneur. Nous quittons notre exemple dans la Bible. Nous quittons notre exemple dans la Bible. Josué, chapitre 6, verset 23. Josué 6 et le verset 23. Quelqu'un qui a lu pour moi bien fort, Josué 6, verset 23. Ah, il y a une personne là-bas. Allez, fais-nous rien. C'est un petit fille qui s'appelle Rahab. Rahab, c'est une prostituée. Rahab, sur la vie, tu es en bas là-haut, tu es malin, tu es malpropre. Rahab, tu peux vivre dans Jéricho. Ça arrive un moment, le peuple de Dieu est venu pour prendre possession de Jéricho. Quand le peuple de Dieu est venu pour prendre possession de Jéricho, tu es une Rahab. Tu connais, bon Dieu, il nous a fait une réconciliation, il nous a fait un retravail Rahab. Rahab, sur l'habillement, pas pareil, qui est en Israélite. Imaginez, le peuple peut venir d'habiller d'une façon. Rahab, tu sais, sur l'habillement, avec sa famille, sur l'habillement différent. Rahab sur l'habillement va-t-il pareil, comme un israélite. Rahab va-t-il cause nécessairement même langage que un israélite causé. Rahab sur manière, sur culture, non, n'y a de Rahab va-t-il capable d'intégrer ça un groupe du monde qui appelle enfant de Dieu, peuple de Dieu, qui peut marcher, peut venir là. Va-t-il en rien. Mais mon frère, moi, c'est, je vous trouvais dans ce chapitre-là, un espion qui t'allait visiter lui avant, un espion-là pour assurer qu'ils autres pourraient concilier, je pourrais faire tout. Pour qu'il soit capable d'intégrer, réconcilier facilement, intégrer facilement avec le groupe qui peut marcher. Enfin, monsieur, écoute-moi bien. Quand bon Dieu appelle nous dans le ministère de réconciliation, vous pouvez nous poser, vous pouvez nous poser du monde là-haut. Vous comprenez mon langage? Si ben là, tu dis Rahab, si tu te juges sur le passé, sur l'habillement, ce qu'il vient de faire, est-ce qu'il Rahab, tu peux intégrer avec le peuple de Dieu? Et en passant, monsieur, dis Rahab, tu es une grand-mère, grand-grand-grand-mère de David. Rahab, bon Dieu, pour servir lui-même, pour une grand-mère de Jésus. Imaginez-nous, un dimoun intégré, un dimoun réconcilié, un dimoun qui nous récite d'un sens, un dimoun qui nous dit oui, les choses anciennes sont passées.
Quand Rahab est venu sur malangue, parce qu'elle avait une malangue, parce qu'elle était de prostitution, d'adultère, d'immoralité, de malpropreté. Quand Rahab est venu de sur la vie malpropreté. Quand Rahab est venu de sur la vie malpropreté. Ça veut dire, c'est la vie vraie. T'es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Continue ça avec Jésus, toi. Je te dis amen. Ou pas pour réaliser, ça dit monde qui pour faire vivre une côte Jésus là. Ça dit monde qui pour réconcilier là. Ou pas pour réaliser, qu'il est capable d'engendrer un jour. Quand bon Dieu lave sa dimouna, quand bon Dieu prend ça en main, un jour quelque chose capable d'arriver à travers sa dimouna, qui impacte toute génération. Pareil comme quand David est né, une génération entière changée. Le deuxième gloire à Dieu. Allez, mettez une gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ça c'est l'exemple que j'ai envie de prendre dans l'histoire de Rahab. Vous pouvez donner l'exemple encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Exode s'il vous plaît. Exode 18. Donc à partir du verset N, allez donc Exode 18 verset N. Exode 18 et le verset N. Je connais un moment Moïse avec son madame qui s'est séparée. Est-ce que je te connais que Moïse s'est séparé de son madame et s'est séparé de son enfant un moment de sur la vie? Tu connais? Mais nous connais là. Exode chapitre 18 verset N. Jéthro l'était beau-père. Jéthro l'était beau-père s'appelle Jéthro. Comment ce beau-père s'appelait? Beau-père de Moïse, voilà, il écrit dans le verset N. Beau-père de Moïse, il apprend tout ce que bon Dieu peut faire de faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprend que bon Dieu finit ses œuvres dans l'Égypte. Bien bon, le verset 2. Alors, Jéthro, qu'est-ce que la Bible dit encore? Beau-père de Moïse, il prend Moïse sur madame. Moïse sur madame, comment s'appeler? Allez, réponds-moi. Moïse sur madame, comment s'appeler? Question pour un chrétien. C'est faux. Jéthro, beau-père, il prend Séphora, ça veut dire femme là. Après, qu'il fait? Femme qui Moïse est renvoyée, partie en, pour un moment, tu dis, elle est à côté de papa. Le verset 3. Il prend femme là, il prend aussi Moïse aux deux garçons. Ok? Le verset 4. Ainsi de suite, je ne peux pas lire. Jusqu'à le verset 11, je ne peux pas lire. Ok, le verset 5, c'est intéressant. Jéthro, beau-père de Moïse, il prend avec lui garçon, il prend avec lui femme de Moïse, jeune vini, côte montagne de Dieu, la côte Moïse y était. Vous nous sentez intéressant? Elle coupe bien que Mobjao. Comment on appelle ça? Frères et sœurs, comment on appelle ça? Réconciliation. Voilà un papa qui est dans la case. Un papa qui peut, qui ne finit pas avec ce tifi, après tifi là, ne revient rien lui. Tifi là, ne ramène sur l'aise, ne ramène sur les enfants, tout revient rien lui. Mais papa là, qu'est-ce que bon l'équerre? Papa là, ne permet de bon Dieu servir lui, ministère de réconciliation. Il ne reprend ses enfants, ses petits-enfants avec ses petits-filles, il ne ramène. Tu connais mon petit-fille? Te place pas dans mon la case. Mon papa, n'importe quoi, tu as envie de promener contre moi. Mais là-bas, c'est toute la case. Elle nous capable de répéter ça. Je dis à mon papa? Je ne peux pas me dire. Je dis à mon papa? N'importe quand, tu as envie de promener contre moi. Mais toute la case, c'est là-bas. Je veux comprendre la pensée. C'est ce que Moïse, ce beau-père, fait. Et Moïse, ce beau-père, pour prendre l'initiative, pour restauration, réconciliation, et après, je vous trouver dans quelque chose pour arriver. Peuple de Dieu, réconcilier dans le foyer, pas détruire dans le foyer. Réconcilier dans le mariage, pas détruire dans le mariage. Je te dis amen. Non, je ne te dis amen. Je te dis amen. Toi, jeune qui pense qu'au marié, n'a pas le content du monde qui est marié, de peut détruire son foyer. Maintenant, je dis amen. Toi qui es déjà marié, n'a pas fait commérage avec quelqu'un qui est déjà marié. Je dis amen. Parce que peut-être dans toi avec ça du monde là et dans sa femme enfant là, c'est qui te faisait penser? Jéthro, beau-père. Beau-père, il pense femme Séphora ou bien il pense enfant-ci? Alors, réponds-moi. Enfant-ci, mon frère Moussé. Dieu n'est pas en visite, toi, ton plaisir. Dieu peut guérir le bien-être des enfants là. Maintenant, je dis amen. Il y a un moment dans la vie que nous plaisir, mais rappelle-nous, il y a le bien-être de l'enfant qui est important. Amen. Dieu de restauration. Vous priez de tout mon qui nous tous nous vînent comme un Jéthro. Nous tous nous vînent comme un Jéthro pour réconcilier Moïse et Séphora.
Pourtant, Moïse, c'est un grand homme de Dieu. Pourtant, Moïse, il nous fait la mer rouge, frère. Mais quand il passe à travers la mer rouge, il est tout seul, s'il a dans son madame, non. Son madame tire une goutte sur papa. Ça amène une pensée. Moïse, il a presque 3 millions du monde qu'il peut diriger là. Pas avec son madame. Mais vous voulez qu'arriver dans cette histoire-là? Quand beau-père vient et quand beau-père cause avec Moïse et quand Moïse d'accord, c'est que beau-père peut dire oui, mon père d'accord, sans mon madame, mon bizarre rester bizarre à côté de moi, oui, sans mes enfants, mon bizarre get li. Mon pas capable de ce ministère, mon pas capable de ce n'en rien, mais une dérange, c'est que bon Dieu me donne moi. Vous connaissez Moïse qui fait, hein? Il fait obéissance et il embrasse de côté de la joue, beau-père. Qui veut essayer de ça? Verset 7. Allez, montre-moi le verset 7. Merci Seigneur. Moïse est sorti dans un beau-père, il est prosterné, enfin le mot prosterné veut dire il obéir. Le mot qui servit c'est he did obedience. N'a pas venu dire ma pasteur, c'est mon objet de réconcilier, il n'est pas obéir. Qu'est-ce qu'il dit toi? Tu ne sais rien? Serre, tu ne sais rien? Si tu n'es pas conseillé, tu n'es pas quand même, tu vas l'en réconcilier, tu veux dire c'est pas pour écouter? Il faut que tu finis, après tu viens dire moi. Beau-père a essayé. Et mon frère, mon sœur Moïse, il écoutait, tiens la restauration. Tiens la restauration. Vous regardez le verset 11 qui peut arriver? Regardez le verset 11. Un joli verset. Le verset 11. Maintenant, je sais. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tout le Dieu. Souligne ça. Peut-être ou pas comme ça, mon père, bon Dieu plus grand que ça, des dieux sur l'équerre. Vous avez un joli amen. Moi, je bon Dieu plus grand que tout. Prenez un jeu de révélation qui vous sortit de sa verset là, suite à réconciliation. Je connais maintenant bon Dieu plus grand que tous les dieux. Alléluia. Et mon Dieu, tu as une affaire. Je vais terminer là. Bon Dieu Nathan. Je te dis bon Dieu Nathan. Je ne peux pas dire, je te dis bon Dieu Nathan. C'est bon Dieu Nathan. Moïse réconcilié avec son madame. Prochain chapitre, montre-moi le prochain chapitre. Bon Dieu, pour commencer causant Moïse dans la montagne Sinaï, et il y a juste après qui bon Dieu pour donner les 10 commandements. Les 10 commandements, une grande affaire ça. Les 10 commandements, quand la même bon Dieu t'écrit dans des roches, des tablettes, grande affaire ça, mon frère Moïse. Les 10 commandements, une jolie expérience. L'expérience que Moïse se figure, remplie avec la gloire, personne ne va pas Moïse se figure. Moïse, il me disait caché de se figure. Mette un voile de ce figuier. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui mettent un voile de ce figuier. Moïse, il me disait cacher ce figuier. Dis-moi, papa, qu'il y a ce figuier tellement dans la gloire de Dieu. Mais tout cela en arrivé quand il y a une restauration. Réconciliation. Vous priez dans le nom de Jésus qui nous comprend. Quand bon Dieu, quand nous-mêmes, premièrement, nous réconcilier et tous ceux qui bon Dieu n'appellent nous, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos pasteurs, quand nous-mêmes nous vivons dans une réconciliation, la gloire de Dieu pour manifester, bon Dieu même, nous peut expérimenter bon Dieu dans une plus grande dimension. Et nous avons fait pour attendre comment nous réconcilier. Et nous avons fait pour arriver dans nos vies. Maintenant, nous amen. Deuxième affaire, quand ou encourage du monde pour réconcilier, bon, quelque chose pour les autres la vie. Le deuxième gloire à Dieu. Le deuxième gloire à Dieu. Mon frère, mon sœur, do not pretend you are too busy. Et que ça quitte pas. N'a pas dit, non, ben, là, trop occupé, là, moi, j'ai pas besoin d'installer là, je suis trop occupé, j'ai pas pour réconcilier. N'a pas dit qu'il ban là, n'a pas dit un prétexte. N'a pas dit qu'il ban là, je suis trop loin, j'ai pas pour réconcilier. N'a pas dit qu'il ban là, trop longtemps, j'ai pas une cause, j'ai pas pour réconcilier. N'a pas dit, j'ai une relation, fin grow cold, fin refroidi. Mon frère, monsieur, bon Dieu, il y a un différent qui a ranim ça, d'où. M'aurait dit, bon Dieu, il y a un différent qui a ranim ça. T'as là, nous trouvons une jolie phrase. Moïse, tu embrasses beau père là. Je ne trouve ça? Moïse, tu embrasses beau père là. Mon frère, monsieur, je te guette moi. Si nous faire, ben, dis-moi, réconcilier sa génération-là pour embrasser nous un jour. Comme signe de remerciement. Si toi, bon Dieu, n'est capable de pousser la victoire pour te réconcilier sa maman avec sa papa-là, sa papa-là avec sa garçon, sa petite fille qui longtemps n'est pas peut causer là, sa petite fille-là capable de marier une mission, sa petite fille-là capable de marier, mais maman-là, papa-là, dit non, moi, je suis d'accord avec sa mariage-là, et puis il n'est pas peut causer avec cette fille-là. Bon Dieu, capable de restaurer sa relation-là. Moi, prophétiser dans le nom de Jésus. Restauration, réconciliation de vie dans la vie à tout niveau. Réconciliation. Réconciliation. Alléluia, merci Seigneur. N'a pas besoin de payer. N'a pas besoin de payer. Nous avons un verset pour nous terminer. 1 Corinthiens,
chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. La Bible dit, bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu de désordre. Bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu de division. Je dois dire nos bon Dieu. Et dans les autres versions, il y a confusion. Je dois dire notre Dieu. Il n'est pas un Dieu de division. Nos bon Dieu. Il n'est pas un bon Dieu de confusion. Nos bon Dieu. Il n'est pas un bon Dieu de séparation. Non, mon frère Mosier. Non. Nos bon Dieu, un bon Dieu de restauration. Un bon Dieu de paix. Et moi, vous terminez avec ça. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called son of God. Et que ça, montre-moi ça, s'il vous plaît. Voilà. Heureux. Toi, tu es heureux, tu es béni, tu es prospérer quand tu es un démon qui amène la paix en dehors du monde. À partir d'aujourd'hui, prends une décision. Pour pas venir quelqu'un qui met du bruit. Pour pas venir quelqu'un qui met de bâton dans la roue. Faut des armées à cause de toi. Du monde séparé. Faut des armées à cause de toi. Foyer une cassée. Faut des armées à cause de toi. Maman, il n'arrête de causer que les enfants. Faut des armées à cause de toi. Ton papa n'arrête de causer que tes propres serres. Faut des armées à cause de toi. Au contraire. Zordi prier. Et Zordi attendre. Qui te vienne un instrument dans la main de Dieu. Qui est bon Dieu capable de réconcilier ton maman et ton papa. Mets-toi ensemble. Qui bon Dieu servit toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de réconcilier ceux qui n'arrivent pas à l'église, de réconcilier eux avec ceux qui peuvent venir à l'église. Amen, peuple de Dieu. Amen. La vie est trop courte pour nous vivre séparés. La vie est trop courte pour chacun dans son coin. Le temps peut passer où là, on se fait monter. Où un jour peut venir, où un jour il est compté aussi. Priez qu'aujourd'hui vienne la flamme, que quand du monde suive, se réconcilier. Et moi, pas peur pour bon Dieu servir ou la langue. Ou la langue est la langue bénie. Ou la lèvre est la lèvre bénie. Hier, moi, tu peux, la semaine passée, moi, tu expliques le fles. Et que, comment on appelle ça, ça fait là, là? Arc. Arc. Je ne sais pas, il y a un tir. Tir même, on appelle ça en hindi. Un arc. D'accord? Un arch. Un arc. Allô? Je connais ça, arc là, il y a la même forme qui nous la lève ici. Ah, je ne sais pas pourquoi. Amen. Je vais la glace. Je vais trouver une forme, un arc. Quand je me dis endormi là, il y en a même une forme qui nous la lève là. Amen. Et qui me dit Jésus le fois là? Ben, une parole qui nous dit comment elle était. Flèche là. Beaucoup parmi nous étaient dans cet arc. Qui nous besoin encore? Parole. Panic God log. Nous besoin de flèche. Enfin, mon Seigneur, qui bon Dieu remplit ou la lève, et ben une parole doux, et ben une parole de réconciliation, et ben une parole pour réconcilier ben du monde. Amen, peuple de Dieu, mets-toi debout dans nos places. Salomon a peut souffrir. Branda rabadi kataraba shigidi libidi. Indaraba di kataraba sokoto rubadi kidi libidi. Mesdames, les autres, lesquels vous priez plus vite. Seigneur, les papas azor qui nous donnent un message comme ça aujourd'hui. On pas connaître qui s'en a parmi eux, Seigneur, qu'ils ont même besoin de réconciliation. Que ce soit avec l'homme, que ce soit avec tremblement de jeu de l'équerre, que ce soit à genoux, que ce soit dans la joie, que ce soit à n'importe quelle façon. Mais maman, je dois servir pour qu'ils te réconcilient, eux. En quelqu'un qui longtemps, je n'arrête de causer à cause de malentendus, de la guerre, de disputes, de querelles. Vous pouvez mettre l'amour, mettre le pardon. Quitte l'amour aujourd'hui, visite ton peuple. 2022 est fini. Nous n'avons pas envie 2022 finir comme ça même, Seigneur. Nous avons un mois encore là. Nous prions pour une restauration, une réconciliation. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans nos travails, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos endroits, dans nos familles, dans nos lacasses, dans nos voisinages, nous n'avons pas pour venir quelqu'un qui met division des voisins. Nous n'avons pas pour venir quelqu'un qui peut mettre division entre nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos mamans, nos sœurs, nos mamans, nos frères. Nous pouvons venir quelqu'un qui apporte réconciliation. Si nous besoin tiens nous les temps, si nous besoin faire une manger spéciale, si nous besoin faire comme j'ai trop. J'ai trop, tu quittes ce travail, j'ai trop, tu marches une longue distance, j'ai trop, tu sacrifies lui-même. Dis pour je, Moïse, et que ce madame Sephora, joigne. Seigneur, servis-nous aujourd'hui. Nous pouvons vivre déjà dans le monde, quand partout une blessée, partout nous avons une blessée, une être touchée, une être victime. Seigneur, Dieu, nous voici devant toi. Nous vivons une peacemaker aujourd'hui.
Non, vivi man quelqu'un qui te servit, toi, puissamment. Oui, Seigneur. Non, vivi qui sa maman là, conti, causé que ce frère, ce garçon, ce papa. Non, vivi sa frère là, conti, oublier le passé, il quitte de l'avant. Non, vivi sa maman du monde qui n'arrête de venir église, Seigneur. Je te réconcilie une église. Je te réconcilie avec toi, premièrement. Seigneur, de tout celle qui a fait ça. De tout celle qui a fait ça. Parle en langue un moment, l'église. Et quand je vais parler en langue, dis à bon Dieu, montre les autres endimoun, qu'ils autres doivent se réconcilier. La bakatara badigonde de benikotorobro. Dis à bon Dieu, Seigneur, mesdames, les kéas, sa dimoun là, montre-moi sa dimoun là, rappelle-moi sa dimoun là, qui me besoin réconcilier. Mandara badikatara badigede de benikotorobo, shandara badigede de benik. Brakatara basokotorobo de gede. Il est capable d'un client qui te tire la guéoli, il est capable d'un supplier qui te boycotte. Tu vas me produire. Il est capable de contracter. Il est capable de n'importe qui ça fait. Prends les simples, toi. Bon Dieu peut entraîner toi d'un point plus grand qu'il chose à l'avenir. Makatala di gom de debede gondorobo shandara badige de debede. Mandara badigo toro brege de debede. Onana masakata rabadige de debede. Brakata rabashige de debede gondoro brege de debede. Amen. Allez, tout guide-moi. Comme il peut me souhaiter, bon Dieu, fin, montre aux autres un kiken, ce nom, ben, ce visage, fin, bin aux autres, l'intelligence, aux autres pensées. Un kiken qui eux-mêmes, aux autres capables de réconcilier. Ok. On va pas dire nécessairement, je vous ai rien dit, que Dieu ne s'est pas quitté. Non, non, non. Au moins, message. Au moins, quand je donne lui, quand je passe ses cadeaux, c'est un cadeau en plus. Quand je donne ses enfants qui portent, si je donne ses enfants, je donne ses enfants. C'est la même? Amen. Ok. Maintenant, comment pas besoin de connaître, nous, comme nous, assises. Comment pas besoin de connaître? Je connais un dimoun autour de eux que je peux vivre. Pas pour cause avec un kiken. Mais je la même? Comment pas besoin de connaître sa message? Oui, je suis capable de servir sa message pour faire des kiken réconciliés. Gloire à Dieu. Il va pas avoir bon Dieu, il fait nous tant ça aujourd'hui.